Monsieur le Wali, Monsieur le Procureur Général, Messieurs les membres de la Commission de sécurité de Wilaya, élus à l'Assemblée populaire nationale, Organisation nationale de la société civile, le Haut Conseil à la jeunesse, chers invités et honorables assistants, bonjour. Je tiens d'abord à vous dire combien je suis ravi de me retrouver devant cet honorable auditoire fait de l'élite nationale rehaussée par la présence de M. Louali et la délégation qui l'accompagne à l'occasion du 22e Congrès national annuel de psychiatrie, placé cette année sous le thème « Addiction, état des lieux et perspectives ». L'OMS définit l'addiction comme étant une dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. Les conduites addictives sont un phénomène complexe, longtemps et aujourd'hui encore mal connu, entouré de tabous, de stéréotypes et de préjugés. L'addiction est l'une des problématiques de santé publique du fait des risques qu'elle engendre sur l'équilibre relationnel de la cellule familiale, de l'état de santé de la collectivité nationale pourvoyeuse de risques sociaux multiples, souvent graves, isolement, déscolarisation, perte d'emploi, éclatement familial, délinquance, nonobstant le coût de sa prise en charge par l'État. Elles sont à la fois la conséquence et la cause de situations complexes. Une partie de notre jeunesse en âge d'activité et en fragilité psychologique en est affectée et subit la dépendance à ces substances psychoactives. La consommation de médicaments détournés de leur usage, ce qui en préoccupe beaucoup. Les comportements addicts interpellent la conscience collective. Les effets dévastateurs, l'horreur et les souffrances suscitées par les addictions et la stigmatisation et l'auto-stigmatisation du toxicomane appellent une approche systémique dans la prise en charge en développant une réflexion clinique, psychopathologique et thérapeutique afin de leur prodiguer des soins les plus adaptés et les accompagner vers des traitements de substitution ou de sevrage. S'agissant d'un impératif et un déterminant de santé publique, la lutte contre les addictions implique des politiques publiques multidimensionnelles. L'Algérie s'est résolument inscrite dans cette démarche consensuelle qui se caractérise par une volonté politique d'endiguer ce fléau. La souffrance de l'addiction engendre et l'appel de la société tout entière a permis, à travers un réseau de structures, adapter les CISA, les centres intermédiaires de santé ou de soins en addictologie, d'abord à l'EHS de WDIC, un dispositif d'accompagnement pour les délivrer de leur addiction et les réinsérer dans la vie familiale et sociale, ensuite à un échelon supérieur et plus élaboré, le CERTA, le Centre d'études de recherche et de traitement en addictologie sous la conduite du professeur Ziri. Et tout récemment, notre pays a adopté à titre expérimental le schéma méthadone comme traitement de substitution à la toxicomanie, notamment les opiacés, l'utilisation de cette substance comme traitement à la dépendance des drogues. L'introduction des traitements de substitution aux opiacés a été décidée pour parer aux effets destructeurs de la consommation de ces substances, notamment en milieu juvénile, et la lutte contre la toxicomanie a été érigée en priorité nationale de santé publique avec l'institution comme instrument corollaire aux autres mesures de lutte, la création de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Le 22e Congrès national de psychiatrie que vous organisez constitue, sans nul doute, une étape décisive et un tournant majeur dans une approche consensuelle dans la prise en charge d'un des plus grands enjeux de santé publique. Je vous remercie pour votre écoute.